Bon, eh bien, je préfère le dire à tout le monde ici plutôt qu'à la police. Après, je serais soulagée, il y avait trop de sang. Au début, ça allait encore, il y en avait un peu, bien sûr, mais c'était supportable. Et puis, il s'est mis à couler à gros bouillons. Impossible de l'arrêter, ça giclait de partout. Et ça se répandait sur les murs, sur les vitres, sur mes affaires. Il y en avait plein, des draps sur le plancher. Moi, j'aime pas tellement le sang. Il me dégoûterait plutôt. J'avais donné le premier coup dans la gorge, c'était pas mortel, la carotide était intacte. Enfin, il était bien entamé. Il s'est mis à gargouiller, à vomir en poussant des sortes de râles. Comme ça. J'ai donné un autre coup et la lame est entrée dans l'œil. Et je l'ai entendu grincer contre l'os. C'était pas calculé, un hasard. Il s'est mis à hurler pour que tout le monde vienne. Je l'ai supplié de se taire. Je voulais même l'essuyer, le soigner. Je le serrais contre moi pour pas que les voisins entendent. Cette histoire ne regardait que nous après tout, mais il se débattait. Il envoyait des coups de poing au petit bonheur. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Je ne pouvais tout de même pas le laisser comme ça. Alors j'ai continué à frapper dans les bras, dans les cuisses, dans le ventre. Il a fini par se calmer. Il ne bougeait plus du tout. Après, il a fallu le découper. Mais je ne suis pas douée pour ce genre de truc. J'ai jamais su découper le poulet. Ni le gigot. J'arrive pas à faire de belles tranches, je salope tout. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de me le répéter. Quand j'ai réussi à détacher sa tête, on aurait dit qu'il était creux à l'intérieur comme une poupée. Une poupée. Pleine de sang, j'ai épongé pour que ça ne coule pas chez les voisins. Cette histoire ne regardait que nous. Après tout, j'ai vidé 6 cuvettes dans la vie. Et pourtant, il en restait encore plein par je pataugeais dedans. Ça collait partout. Je sais que ça peut paraître affreux, mais enfin, il faut se mettre à ma place. J'en avais marre de la voir à l'intérieur. Toujours en train de me dicter ses ordres parce que c'était toujours lui qui commandait au lit. Comme ailleurs, même mes rêves, c'était les siens. Il m'obligeait à me raser le matin, je devais fumer ses cigarettes et pisser debout. Tiens, une fois, il m'a obligée à écrire au courrier du cœur en signant Albert. Quand on allait au cinéma, il me faisait toujours asseoir à côté d'une fille pour que je la touche. Ça lui faisait des trucs. Ça l'excitait. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était quand il m'empêchait d'avoir mes règles. Et ça, vers la fin, il le faisait. Tout le temps. C'est déjà dur de vivre avec un homme dans un appartement, mais à deux dans un seul corps, ça devient infernal. Je suis pas si grande, pas si grosse. Il n'y a pas de place pour deux, on est fourré l'un sur l'autre, on se rentre dedans, la vie devient impossible. Et tout ça parce qu'un jour j'ai eu le malheur de le laisser rentrer. On leur donne ça et ils prennent tout. J'étais complètement possédée. Dépossédée plutôt, jetée de ma peau, virée. À la porte de chez moi, de moi, je ne regrette pas de l'avoir saignée. C'est de la légitime défense, mais ce sang, tout ce sang, j'aurais mérité que ça se passe autrement, plus cool. On n'est pas des sauvages, quand même. Bon voilà, j'ai tout dit, je me sens mieux, tant pis. Si on me gronde, au moins maintenant, je suis redevenue une femme comme les autres, une vraie femme. Je vais pouvoir mener une vie normale. Rencontrer un homme. Mais cette fois-ci, je ferai attention.